Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Transport et Logistique TV. Objectif de cette émission réalisée par Transport Média, mettre en évidence les personnes, les entreprises et les projets qui font avancer le secteur du transport et de la logistique en Wallonie et à Bruxelles. Et vous verrez qu'ils sont nombreux. Nous sommes aujourd'hui au Trimodal Terminal Bruxelles, détenu depuis peu par Van Moor Logistics, et vous verrez dans un instant tout ce qui s'y passe. Début mars, Van Moor Logistics annonçait l'acquisition du Trimodal Terminal Bruxelles. Ce terminal couvre plus de 17 000 m², possède un quai de 235 mètres et une connexion ferroviaire. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie intermodale de Van Moor Logistics, qui est déjà pleinement active dans la navigation intérieure et exploite déjà plusieurs quais et terminaux depuis 2011. Nous détaillerons ce sujet un peu plus tard dans l'émission, mais prenons à présent la direction de Millemoor pour découvrir de remarquables synergies dans le cadre de notre rubrique « Tous ensemble ». Pôle logistique de Wirtz Group, également actif dans l'immobilier et dans le sport automobile, Wirtz Supply Chain occupe 500 personnes en Belgique sur cette implantation. Son credo, un service logistique intégré dont la diversité ne cesse de s'amplifier. On offre un éventail de services, à commencer par la logistique just-in-time, just-in-sequence pour l'industrie automobile. Ensuite, nous avons la plateforme CrossDock pour une distribution très rapide. Nous avons du stockage jusqu'à moins 20 degrés. Nous offrons également les services de valeur ajoutée. Ensuite, nous avons notre propre flotte de transport et le tout soutenu par une digitalisation de nos processus. C'est par le transport que le nom de Wirtz a commencé à rayonner dans le secteur logistique dans les années 60. Aujourd'hui, ce volet d'activité reste un élément clé dans les services de Wirtz Supply Chain. Pour ses transports par route, l'entreprise s'appuie exclusivement sur les compétences du garage DAF Truck Trading Roen à Welkenraad. Nous provenons de la même région, nous sommes aussi une entreprise familiale, ce qui crée un certain lien. Outre la vente, nous assurons la réparation et l'entretien des 24 DAF de chez Wirtz et nous réalisons également les travaux de carrosserie. Ces travaux vont jusqu'au redressement de châssis et la réparation de véhicules accidentés. Truck Trading Roen pratique également le montage de grues et de superstructures sur mesure, ainsi que l'entretien du matériel tracté dans ses implantations de Welkenraad et de Malmedy. Depuis 5 ans, nous avons intégré le groupe de concessionnaires Truck Trading Group, ce qui nous permet d'avoir plus de véhicules de stock, une plus grande disponibilité de pièces détachées et qui a enrichi notre proposition aux clients grâce à la location à court et moyen terme. Avec une telle approche, DAF Truck Trading Roen prend de plus en plus l'allure d'une destination full service pour les transporteurs. En plus de ses vastes activités logistiques, Wirtz soutient plusieurs clients comme transporteurs. Pour répondre aux exigences spécifiques de ces transports, la société fait appel à Schmitz Cargo Bull, qui présente un produit unique avec ses nouvelles remorques Box Isotherm Smart Generation. WSC heeft gekozen voor een mega koffer met een isotherme kast. Daarnaast is deze ook voorzien van een rollerbanen om luchtvrachtcontainers te vervoeren. Daarnaast is het chassis gerold en ook voorzien van een hoge puntbelasting met een complete verzinking en een garantie van 10 jaar. Schmitz Cargo Bull est le leader du marché dans le segment à partir de 20 tonnes. En plus des semi-remorques, la marque offre une gamme complète de services, allant du financement au contrat d'entretien, en passant par des occasions et par Trailer Connect, son système télématique qui connecte plus de 60 000 semi-remorques. WSC is een referentieklant waar we eigenlijk altijd met een topproduct voor de dag moeten komen. Doorslaggevend voor hen was de leverkwaliteit en ook de goede dienst na verkoop. La collaboration entre Wirtz Supply Chain et Continental ne date pas d'hier. Les deux entreprises sont liées depuis l'époque où l'usine Continental était en activité à Herstal et où Wirtz assurait la distribution de sa production. Le fait que les véhicules de la flotte soient aujourd'hui équipés de pneus de la gamme Continental hybride ne doit donc rien au hasard. Notre gamme hybride fait partie de la troisième génération des pneus Continental. C'est une gamme polyvalente, c'est-à-dire
qu'elle convient tant en approche urbaine que régionale ou plus longue distance. De plus, ses caractéristiques techniques permettent des coûts d'exploitation très faibles, grâce d'une part à un rendement kilométrique élevé et d'autre part un impact positif sur la consommation de carburant. L'étape suivante pour Wirth Supply Chain, c'est la digitalisation de ses pneumatiques, avec l'appui de Q-Team, dans l'un de ses 100 centres de service en Belgique, ou comme ici sur le terrain avec l'un de ses 150 véhicules d'intervention. Q-Team assure le montage des pneus, mais aussi l'installation d'accessoires pour en tirer le meilleur parti, comme ses capteurs de pression. Ce capteur s'installe dans chacun des pneus de l'ensemble routier. Il a une durée de vie de 6 ans ou 600 000 km. Le capteur va alors communiquer en temps réel la pression et la température du pneu directement avec notre plateforme digitale Conti Connect. Wirth Supply Chain pourra alors surveiller à distance et en temps réel l'ensemble des pneus de sa flotte. Ici par exemple, on voit qu'un problème de sous-pression est détecté. Conti Connect va alors informer par email, par SMS, l'ensemble des collaborateurs concernés. Un technicien pourra alors intervenir, rectifier la pression, réparer une éventuelle crevaison lente et ainsi éviter un dépannage et une immobilisation inutile du véhicule. Conti Connect contribue à l'utilisation optimale du pneu, à la réduction des coûts d'exploitation et à la sécurité de l'ensemble routier. Un outil performant qui démontre que 150 ans après sa création, Continental reste plus que jamais animé par une volonté de développer des produits novateurs, sûrs et durables. Des solutions pour la mobilité de demain qui, au-delà des pneus, passent par la connectivité intelligente et des systèmes d'infodivertissement avant-gardistes. Qui dit flotte moderne pour un transporteur, dit équipement embarqué. Cet aspect technologique, c'est au groupe Trimble Solid que Wirth Supply Chain l'a confié. Ici, on a choisi pour notre solution la plus moderne avec la Fleet XPS tablette. Le chauffeur, il peut prendre des photos, il peut faire un scan des documents et on peut capter la signature sur la tablette. Tout ça avec une intégration avec leur ERP qui évite d'introduire les mêmes données plusieurs fois. Comme ça, on peut éliminer des erreurs et on gagne du temps. On est 100% prêt pour le futur. Dans les véhicules, les disques papier ont fait place depuis 2005 à des tachygraphes digitaux, dont les informations sont transmises sur une carte à puce du chauffeur. La société Solid France, que je représente depuis plus de 20 ans, est très vite devenue une référence européenne et beaucoup de transporteurs, mais aussi d'autorités de plusieurs pays, se servent de nos logiciels. Pour Wirth Supply Chain, nous avons mis en place une plateforme Solid Global, en mode expert, qui apporte au service planning, mais aussi au service RH, toute l'information en quelques clics. Des informations qui, outre le suivi de véhicules, permettent donc d'analyser les comportements et même d'exporter les données de prestations vers le secrétariat social. Des solutions dont l'avenir est au cloud, avec un niveau de sécurité élevé. Une belle complémentarité dont nous vous reparlerons plus tard dans cette émission avec la suite de cette rubrique. À mes côtés, il y a Monsieur Moons. Bonjour, vous êtes le directeur général du port de Bruxelles et vous êtes évidemment bien placé pour nous parler des points forts, mais aussi de l'évolution de la plateforme sur laquelle nous nous trouvons. Le point fort de notre terminal conteneur est que ce terminal est un terminal trimodal. Donc vous pouvez arriver avec la voie d'eau, avec les bateaux, avec le chemin de fer, et avec des camions. À l'heure actuelle, la capacité de cette terminale qui se trouve dans un tissu urbain est atteinte et nous avons la proposition d'étendre notre terminal conteneur l'année prochaine. Donc on va doubler la capacité que le terminal a à l'heure actuelle. Merci Monsieur Moons. À mes côtés également, il y a Johan Gemmels de Van Moor Logistics. Vous voulez faire du transfert modal et de la logistique durable une réalité, mais vous y voyez aussi une opportunité de développer les flux de marchandises en provenance et à destination de la Wallonie. Expliquez-nous. Avec l'intégration du terminal de Bruxelles dans notre réseau, la société Van Moor compte développer le transport fluvial sur la Wallonie. Le terminal ici a l'avantage d'être connecté avec le terminal de Vilvoorde. Ça veut dire que ça nous permet d'avoir un transport ou une liaison journalière avec le port d'Anvers et pour l'import et pour l'export. Et d'ici vers les terminaux en Wallonie, la traversée de Bruxelles est possible avec des barges de plus petite taille. Et donc nous comptons offrir une liaison journalière avec les terminaux en Wallonie. Merci Johan, bonne continuation.
Et à propos de transfert modal, on vous propose de découvrir un transporteur routier dont l'activité s'est particulièrement développée suite à l'augmentation de l'activité de transport de conteneurs maritimes en région liégeoise. Beyers Transport est une entreprise du groupe Beyers International. Première société du groupe, créée par Luc Beyers début 2000, elle est active depuis ses débuts dans le transport routier de conteneurs maritimes et de caisses mobiles pour le rail route. Fort de cette expérience de plus de 20 ans dans ce domaine de transport spécifique et contraignant, le groupe Beyers International continue à se développer de façon durable et efficace afin de répondre aux demandes croissantes de ses clients, expéditeurs et opérateurs de terminaux. Le transport est avant tout pour moi une vraie passion. Malgré mon emploi du temps chargé, j'aime de temps à autre prendre le volant afin de garder le contact avec le terrain, avec mes chauffeurs et aussi avec mes clients. Ces camions sont présents quotidiennement sur les trois terminaux liégeois, ce qui permet au groupe de proposer une grande flexibilité et une réactivité optimale pour tous ses clients. Le groupe Beyers International, devenu une référence incontestable du transport multimodal à Liège, se positionne en tant que transporteur neutre et indépendant. Les expéditeurs, agents douane, logisticiens, industriels peuvent faire appel au service du groupe sans craindre la moindre concurrence liée à leur propre activité. Principalement actif dans le transport de conteneurs maritimes, le groupe offre un service complet avec des châssis polyvalents multiposition, châssis basculants 20 pieds pour le déchargement de vrac, châssis équipés de genset pour conteneurs reefer, ainsi qu'un side loader. Notre side loader est un outil performant, unique en Wallonie, qui nous permet de compléter notre offre de manière optimale. Il nous permet de charger et décharger des wagons de train, transférer des conteneurs de camion à camion ou encore déposer des conteneurs au sol. Avec une capacité de levage de 35 tonnes, nous pouvons prendre et déposer des conteneurs chargés allant du 20 pieds au 45 pieds et ce dans des halls avec une hauteur limite de 4,50 m. Afin de compléter ses services, le groupe propose également du transport en tote-liner équipé de fosses à bobines, ainsi que du transport en plateau partout en Europe. Depuis une forte augmentation de ses activités en 2016, le groupe continue à se développer de manière exponentielle, affichant une nouvelle fois une croissance à deux chiffres de son activité entre 2019 et 2020. Cette croissance s'explique par l'arrivée des différents trains en provenance de Chine qui ne cessent d'augmenter leur capacité et leur rotation sur Liège et Duisbourg, mais également le développement du Trilogy Port depuis la joint venture en 2018 entre Liège Container Terminal et DP World Liège. Nous sommes fiers de participer de manière active au bon développement de la plateforme trimodale au Trilogy Port. Notre partenariat avec DP World Liège Container Terminal est basé depuis plusieurs années sur la confiance, l'efficacité et la proactivité. Fort de son expérience et de son succès, le groupe Beyers International entretient des valeurs de sérieux et de professionnalisme, tout en continuant d'investir et de se développer afin de répondre au mieux aux demandes croissantes de ses clients. Il est temps maintenant de nous rendre chez un fabricant belge de dispositifs anti-collision. Il va nous dispenser des conseils logistiques bien utiles. Met de inzet van de juiste veiligheidsoplossingen kunnen heel wat ongevallen vermeden worden. Om de veiligheid op de werkplaats te verhogen, zet je best in op een combinatie van preventie en bescherming. En hier kan Boplan zeker mee helpen. Un bon conseil, organiser le lieu de travail et appliquer une signalisation claire au moyen de marquage au sol. En trafic mixte, les protections anti-collision avec main courante sont spécialement conçues pour protéger les piétons contre l'impact d'un chariot élévateur. Au passage pour piétons, il est préférable d'utiliser une porte de sécurité qui oblige le piéton à marquer l'arrêt. Les portes des quais de chargement restent parfois ouvertes trop longtemps. Elles constituent dès lors un risque de chute dans la fosse de chargement. Une porte de sécurité robuste avec mécanisme de fermeture automatique offre dans ce cas la solution idéale. Pour les zones présentant un risque de glissade ou de chute, il existe des solutions antidérapantes résistantes à l'usure qui minimisent les risques d'accident. Équipez les mezzanines de balustrade avec une plinthe supplémentaire pour éviter la chute de personnes et d'objets. Vous pouvez sécuriser rapidement et efficacement les échelles à crioline et les plateformes de travail avec des portes de sécurité spéciales à fermeture automatique. Enfin, évitez les dommages à la tête en installant des flexibles de protection au bas des escaliers ou dans des espaces restreints. Un accident est vite arrivé, mieux vaut prévenir que guérir.
En 2020, le terminal de Bruxelles a traité 30 000 conteneurs EVP et réalisé un chiffre d'affaires de 1 850 000 euros. Depuis la reprise par Van Moor Logistics, les terminaux de Bruxelles et de Grimbergen ne sont plus concurrents. Et les barges de Van Moor sont plus efficacement exploitées grâce à la capacité supplémentaire du terminal. Dans le reportage suivant, nous allons découvrir un autre partenariat efficace dont l'origine remonte à plusieurs décennies. Implantés dans la campagne esbignonne et au Grand-Duché du Luxembourg, les transports Frédéric Seyren sont une société à caractère familial. Une réalité qui s'illustre à plusieurs niveaux de l'entreprise. Mon mari et moi-même nous occupons de la direction générale et moi plus particulièrement des ressources humaines. Ma belle-fille Kathleen et mon fils Nils s'occupent de la gestion de la flotte au niveau gaz cryogénique. Et le plus jeune de mes fils, Kylian, il roule et il seconde son papa. L'entreprise est spécialisée dans le transport à destination du monde agricole, du vrac, des aliments pour bétail, des produits dérivés du bois et des déchets notamment. Elle s'appuie sur une flotte de 127 véhicules où la marque Scania est la mieux représentée. J'ai une histoire particulière avec Scania. À mes 16 ans, j'ai travaillé en carrosserie à Scania Nanning. En 2005, lors de la création de mon entreprise, le premier tracteur était un Scania. Et en 2021, j'ai commandé 31 véhicules de la marque Scania. Sur ces 31 véhicules, 25 sont des tracteurs de type R540. Un choix qui ne doit rien au hasard, le résultat d'une confrontation entre des Scania 540 et 450 chevaux et des tracteurs équivalents de 5 marques différentes. Un test grandeur nature axé sur la consommation. Nous avons effectué un trajet de 535 km avec chaque véhicule, avec une remorque chargée, donc la même remorque pour chaque test, et on s'est aperçu que le Scania 540 nous avait fait une meilleure consommation que le 450 et ainsi que ses concurrents. Ces tracteurs sont polyvalents pour pouvoir rouler tant en benne qu'en fond mouvant, citerne basculante ou classique, parfois en ADR. Les transports Seyren les ont systématiquement équipés de ralentisseurs, de réservoirs 950 litres et de nombreux éléments de confort. Ceci pour que leurs chauffeurs sillonnent les routes du Benelux, de la France, de l'Allemagne et depuis peu de l'Angleterre dans les meilleures conditions. Depuis le début de cette émission, nous avons découvert de nombreux projets et leur développement remarquable. À mes côtés, Bernard Piette, vous êtes le directeur de Logistics in Wallonia. J'imagine que ça vous réjouit, tout ça. Quelle est la force de la logistique en Wallonie? Je pense qu'il faut y voir surtout deux choses qui restent vraiment les forces de notre domaine. Tout d'abord, il faut garder la localisation en tête. La localisation reste exceptionnelle. La Wallonie reste extrêmement bien située. Et donc, pour pouvoir accueillir de nouvelles activités logistiques, c'est vraiment une région qui est assez idéalement placée. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi qu'il y a une véritable dynamique d'innovation qui s'est mise en route dans les acteurs du secteur. Voulant prendre aussi le problème environnemental à bras-le-corps, on voit de plus en plus d'initiatives prises par les entreprises pour vraiment diminuer leur impact CO2. Parmi les actions de Logistics in Wallonia, il y a la labellisation de projets innovants. En quoi cette reconnaissance est-elle importante ? Reconnaissance égale financement, et donc en ce sens, c'est très important. Notre mission, c'est vraiment monter ces projets d'innovation qui associent d'une part des entreprises et d'autre part des unités de recherche, et souvent les entreprises sont des PME. Et donc nous essayons de faire en sorte que le maillage entre ces types d'acteurs prenne convenablement, afin que ces entreprises puissent alors développer de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouveaux services, de nouveaux produits, créer de la valeur ajoutée et puis in fine créer de l'emploi. Merci Bernard Piette. Et justement, on va découvrir l'un de ces projets labellisés tout de suite. Notre société Deltopulse s'est appuyée sur l'autorisation du poids total de 50 tonnes de la région Wallonne. Pour cela, on a développé une semi-remorque tout à fait spéciale pour parvenir à la réglementation belge de formule de pompe. J'ai partagé le tridème, j'ai fait un tandem et j'ai fait un essieu isolé. C'est cela qui nous fait gagner la longueur de toute la semi-remorque et qu'on reste dans les normes de sécurité pour le bainage et sur la route. En tant qu'acteur de la construction, les établissements Osley sont toujours à la recherche d'idées novatrices. Ces véhicules ont pour nous beaucoup d'intérêt, donc tout d'abord en termes de rentabilité, puisqu'on va vers une charge utile supérieure de 10 à 15%. Cette charge utile complémentaire, bien sûr, diminue le nombre de véhicules sur la route. Moins de véhicules sur la route, c'est aussi moins de CO2,
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'augmenter la charge utile amène un plus en termes de sécurité et en termes de charge par essieu, donc on dégrade beaucoup moins les routes. Au niveau de la conduite, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à un autre ensemble. Il y a un encombrement plus grand par rapport aux anciens ensembles qu'on avait. Maintenant, au niveau versage, bennage, il n'y a pas de changement, c'est même très stable. Du fait que la benne soit évasée sur les côtés. Le développement, on travaille ensemble avec le CRF qui fait les dessins, qui font les calculs, et alors on a aussi Force, et à ce moment-là, c'est eux qui font les éléments définis, tout, pour vraiment faire la conception de toute la semi-remorque. Nous avons aussi développé un mixeur à béton 50 tonnes. Mais le projet, le plus grand projet, c'est au fond une semi-remorque maintenant avec une décharge horizontale. C'est la preuve qu'il y a encore moyen d'innover dans des nouveaux projets dans le transport. Gros plan à présent sur une entreprise wallonne qui utilise depuis presque un an un camion 100% électrique. Quels sont les résultats de cette expérience unique? Réponse dans ce reportage. Comme tous les matins depuis plusieurs mois, la journée de travail de Silvio commence de façon silencieuse. On ne se rend pas compte, mais le camion est prêt à démarrer. Alors, on démarre. Silvio travaille chez Van Miegem Logistics. Il est le premier chauffeur en Belgique à avoir comme partenaire de travail un Mercedes-Benz eActros, un camion 100% électrique. C'est vraiment magnifique à conduire, il n'y a vraiment rien à dire. La principale différence par le véhicule classique, c'est bien sûr la silence. Au niveau de freinage, les camions ils freinent tout seuls, juste en levant les pieds de l'accélérateur. Pour l'autonomie, c'est en général 200 km par jour. Tout dépendant de la température, du chargement aussi, du tonnage. Mais pour moi, c'est suffisant pour faire de livraison, pour finir la journée. Cet eActros est un modèle de test. Van Miegem Logistics fait partie des quelques entreprises européennes qui l'utilisent en conditions réelles avant commercialisation pour de la distribution autour de son siège de Saintes. Depuis le début du test, au mois de septembre, on a fait plus ou moins 11 000 km déjà avec pour une livraison de plus ou moins 600 clients. C'est surtout une demande clientèle dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, diminuer notre CO2? Donc pour nous, l'eActros tel qu'il est là, il s'intègre parfaitement dans notre optique éco-responsable. Dans cette société qui aime s'ouvrir aux nouveautés, l'eActros n'a pas été ménagé. Et ses qualités font qu'il a rapidement trouvé sa place dans la flotte. Je dirais déjà qualité, durabilité, mais également aussi efficacité, tout simplement parce qu'on considère qu'il est quasiment aussi efficace qu'un véhicule traditionnel. Il est également tout à fait fiable, on n'a eu aucun souci avec, et il fait tout à fait le travail comme un autre. En effet, le retour est positif et on arrive à la fin de cette première phase d'essai chez tous ces transporteurs partenaires. Et aujourd'hui, on rentre dans la phase de déploiement commercial qui commencera dans les prochains mois. Le bilan est très positif, à 100%, mais après, ça va être très difficile de revenir vers un camion classique. Van Moor Logistique voit grand pour la trimodalité en Wallonie. C'est pourquoi il a lancé un partenariat avec Duferco, qui exploite le terminal à conteneurs Gare au Centre à La Louvière. Depuis ce site, une navette régulière rejoint Bruxelles. Olivier Wallef, CEO de Duferco, va nous expliquer tout ça. Depuis donc maintenant 2020, nous sommes associés à Van Moor puisque nous lui avons cédé notre participation. Et en vue de renforcer le TTB, la société à Bruxelles, en l'intégrant dans le réseau Van Moor. C'est un terminal qui d'abord est trimodal, donc ça c'est bien sûr déjà une grande qualité. Nous avons un départ par jour en bateau vers Anvers, un départ par jour d'un convoi ferroviaire en fait, qui part également vers Anvers. Nous avons ici un dépôt qui est reconnu par les compagnies maritimes. Nous avons gagné leur confiance au fil du temps grâce à la fiabilité du service. Et puis nous offrons le porte-to-porte, je veux dire, le last mile, comme on dit dans le jargon,
aux clients de la région. Il est clair que l'association avec Vanmoor aujourd'hui, qui se traduit par un contrat à long terme, mais surtout par une volonté commune des parties de renforcer je dirais, la force de frappe avec la mise en commun de nos ressources, permet aujourd'hui d'aller chercher plus de potentiel, plus de clients, une plus grande fluidité dans le service, une plus grande fréquence de départ. Donc tout ça sont des atouts qui viennent encore renforcer nos forces existantes pour essayer de convaincre un peu plus les clients de passer peut-être moins sur la route et un peu plus sur la voie d'eau. Des synergies qui feront encore parler d'elles, c'est certain. Le reportage suivant nous emmène à la découverte d'un deuxième projet labellisé Logistics in Wallonia. Le projet CityLine vise à faire collaborer des opérateurs de transport et logistique entre eux au moyen d'une plateforme informatique qui vient faciliter cette collaboration. Donc il s'agira pour les chargeurs d'un guichet unique qui leur permet de passer leurs heures de transport. Chez eFarms, on propose des produits bio et locaux, mais exclusivement sur notre site en ligne. Ce qui est important pour nous, c'est que CityLine est vraiment la valeur écologique au centre du projet et donc de pouvoir mettre en avant un score environnemental qu'on peut présenter à nos clients. En plus, CityLine va permettre de faciliter l'association de différents moyens de transport. eFarms amène la totalité des colis qui sont confiés à Coursier Wallon Namur et à Delivery ici au dépôt de Coursier Wallon, de manière à ce que chaque chauffeur Delivery avec sa camionnette ou chaque coursier de Coursier Wallon avec son vélo de transport vienne chercher les colis correspondant à sa tournée. Delivery en tant qu'entreprise de transport spécialisée dans la livraison de colis en J0, donc s'inscrit dans une logique de diminution de la pollution. Grâce au projet CityLine, nous pouvons densifier les tournées, nous pouvons mutualiser les livraisons, désengorger les villes. Pour que CityLine fonctionne et que la mayonnaise prenne, l'enjeu principal, c'est de définir les bonnes règles du jeu qui invitent chacun à plus collaborer. C'est vraiment atteindre ensemble un volume suffisant qui permettra de réduire les coûts opérationnels d'une part et les coûts environnementaux d'autre part. Vous l'aurez compris, dans cette émission, nous aimons vous présenter des entreprises créatives. Eh bien, voici deux nouveaux exemples. La dalle de béton est un élément déterminant pour optimiser la productivité, non seulement dans les entrepôts, mais aussi dans l'industrie de transformation. Les joints abîmés et les fissures provoquent des chocs pouvant causer des dommages aux marchandises lors des transports internes, mais aussi des lésions aux opérateurs. Depuis 2014 déjà, ODTH fait confiance à Inconcrete pour la réparation des joints et des fissures. Une intervention rapide limite les désagréments et permet de rouler sur le sol traité après seulement 2 heures. L'oorzaak is vooral de verwerking van de bouw. Dus een bouw leeft ook. En die voegen zetten zich vooral uit. En dan is voor ons vooral om een duurzame oplossing te zoeken. Hier blijvend. En zo zijn wij met de firma Inconcrete in contact gekomen. Inconcrete Flex convient à tous les types de bâtiments et d'entrepôts et permet une forte absorption des mouvements horizontaux et verticaux. Avec Inconcrete Flex, il est possible de rouler sur les joints et fissures réparés avec tout type de véhicule, sans choc et sans endommager les chariots élévateurs. Wat voor ons ook heel belangrijk is, zijn onze mensen natuurlijk, de ergonomie, rugklachten, dat we dat zoveel kunnen vermijden. Slijtage van onze machines, heftrucks. Reach-trucks waar we zagen dat de banden sneller slijtage vertoonden dan de normale slijtage. En natuurlijk ook heel belangrijk is de kwaliteit van het product. En die kwaliteit kunnen we samen garanderen met Inconcrete. L'ensemble du processus se déroule en 7 étapes: découpage, ciselage, primaire, couche de fond, pose de la résine, ponçage, puis scellage. Une réparation rapide et efficace du sol en béton, sans usure et sans entretien, et surtout pour une longue durée de vie. Topa Packaging est l'un des plus grands fournisseurs d'emballage de transport et de matériaux d'emballage, assurant ainsi une protection optimale des marchandises durant le transport. Nous retrouvons ainsi le Fiber Film ainsi que le Fiber Wrapper. La composition unique du Fiber Film, un film étirable, réduit de moitié son poids tout en assurant une solidité et une résistance optimale. Un film standard et généralement lourd, se déchire facilement et demande un gros effort physique lors de la stabilisation de la palette. C'est pourquoi Topa a développé le Fiber Wrapper. Ce distributeur permet aux magasiniers de stabiliser les chargements sur palette de manière plus ergonomique et ne demande qu'un effort physique minimal.
L'ergonomie a été le critère déterminant lors de son développement. Il est donc très facile d'étirer au maximum le film sans effort supplémentaire du magasinier. Il est ainsi possible de stabiliser deux fois plus de palettes avec un seul rouleau de fiberfilm qu'avec un film standard. Autre avantage, la perte à la découpe a été réduite de près de 30%. Topa Packaging dispose également d'un centre d'innovation où les emballages sont testés quotidiennement afin de répondre aux normes les plus strictes pendant le transport. Topa réalise des simulations de charges de distribution ainsi que d'autres tests divers tels que des tests relatifs aux matériaux. En début d'émission, nous avons fait la connaissance avec Weert Supply Chain et il y a encore beaucoup de choses à en dire. Weert Supply Chain se positionne partout en Belgique. L'entreprise investit dans de nouvelles implantations, comme ici au Trilogy Port de Liège, où elle finalise la construction d'un entrepôt qui portera à 88 000 m² sa capacité logistique sur le site. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, il permet à Weert Supply Chain d'exploiter d'autres modes de transport que la route. Le site du Trilogy Port permet d'offrir à nos clients des services en multimodal. Donc nous pouvons acheminer et expédier des marchandises par voie d'eau, par voie ferroviaire ou par route. Le site est situé aussi au carrefour des flux de transport européens et à proximité de l'aéroport de Liège. Si Weert Supply Chain finalise aujourd'hui la construction d'une structure logistique couverte de près de 88 000 m² au Trilogy Port, c'est notamment grâce à l'appui de partenaires solides. Le groupe Éloie de Sprimont, spécialiste en travaux d'infrastructures et bâtiments notamment, fait partie de ceux-ci. Dans le sens où Éloie est une entreprise familiale, Weert c'est une entreprise familiale, forcément il y a des valeurs qui sont partagées, qui sont communes et assez naturellement on est rentré en dialogue avec Monsieur Weert et on a pu mettre en avant les atouts de l'entreprise, c'est-à-dire disposer de la pleine capacité au niveau des métiers nécessaires à l'exécution rapide de ce genre de projet. On a démarré les travaux il y a un peu plus d'un an avec le remblai de la plateforme. C'est un apport de plus ou moins 300 000 m3 de terre qui ont été acheminés principalement par bateau avec le canal Albert qui se trouve ici juste à côté. Ensuite, on a poursuivi l'aménagement avec le réseau d'égouttage, par exemple 3 km de réseau. Et alors on a aussi pas mal assisté techniquement le maître d'ouvrage pour optimiser son projet en termes de qualité et en termes de coût. Éloie a été impliqué dans la création du Trilogy Port dès les premiers coups de pelle en 2013 pour l'aménagement de la plateforme et des voiries, puis pour concrétiser l'implantation des acteurs en place. Un travail qu'Éloie a également mené dans d'autres zones logistiques majeures comme autour de Liège Airport. Le secteur de la logistique nous convient très bien parce que c'est un secteur pour lequel il faut être très réactif. Il faut pouvoir s'adapter aux enjeux de la logistique en termes d'exécution, en termes de rapidité, en termes d'adaptation. Et nos équipes s'y sentent bien et donc oui, on veut continuer dans ce secteur. Des ambitions claires d'un acteur de la construction qui s'est taillé une solide réputation en province de Liège, en particulier sur les projets de grande ampleur. Résultat d'une capacité d'absorber des travaux d'envergure tout en cultivant une approche responsable, ce qui séduit de plus en plus de donneurs d'ordre. Weert Supply Chain utilise une flotte importante d'environ 250 engins de la marque Linde dans ses différentes activités logistiques. Motrac, l'importateur et distributeur exclusif de la marque Linde en Belgique, a su soutenir le groupe dans son expansion. Les chariots élévateurs sont utilisés dans nos diverses activités logistiques que nous effectuons pour nos multiples clients. Le défi est d'avoir un parc machine adapté à nos besoins, mais également avec un temps de roulage optimisé. Tout d'abord, la productivité offerte par les machines de Linde a été un critère de choix important. Dans notre métier, chaque minute compte, donc travailler avec des machines Linde est un must-have. De plus, Motrac a toujours su se montrer très flexible en répondant à nos besoins lors du démarrage de nouvelles activités. Pour moi, les points forts de la marque sont une productivité supérieure, un service après-vente très disponible, une facilité de prise en main, une ergonomie et une sécurité des machines. Weert Supply Chain utilise des engins de manutention très diversifiés. La qualité des machines Linde, combinée à un service après-vente très réactif, ont contribué et continuent à contribuer au développement des activités du groupe. Personnellement, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec ces machines-ci. Elles sont fiables, robustes, confortables. Honnêtement, je ne voudrais pas travailler avec une autre machine que celle-ci. Motrac et la marque Linde sont un véritable partenaire qui propose des solutions intralogistiques adaptées en parfaite adéquation avec les besoins exprimés par le client.
Lennart's Technique Industrielle fournit un service complet pour tous les sites de Weird Supply Chain. Cela va de l'électricité et de la climatisation au sanitaire pour tous les halls et bureaux. Pour Weird, le plus grand avantage est qu'ils ne doivent pas constamment coordonner les différents corps de métier. Vanaf het voorontwerp zitten wij samen met de klant om zo de juiste noden en behoeften vast te stellen. Zodanig ook dat bij de uitwerking van het project dat de klant ook niet voor verrassingen komt te staan. En aangezien wij alle technieken aanbieden, nemen wij ook die coördinerende taak op ons, waardoor dat toch wel een opmerkelijke ontzorging biedt naar de klant toe. Na het project gaan we dan ook een volledig onderhoudsdossier opstellen, zodat de klant zich daar eigenlijk niet druk over moet maken. Hij kan zich volledig focussen eigenlijk op zijn core business. En daarnaast hebben we dan ook nog een 24/7 depannagedienst, zodat wij heel snel ter plaatse kunnen zijn, moesten er toch nog dringende problemen zich voordoen. We hebben volledig alle technieken ontworpen in deze gebouwen en gerealiseerd. Zowel elektriciteit met verlichting, met laadstations, met stopcontacten voor de poorten. Verder hebben we de volledige sanitaire installaties gedaan in de magazijnen en in de kantoren met herbruik van regenwater. En we hebben het ventilatiegebeuren en de verwarming met warmtepompen gedaan, zodat ze zowel kunnen koelen als verwarmen in het hele gebouw. Onze samenwerking is eigenlijk vooral gebaseerd op wederzijds respect en wij vinden elkaar in de eenvoud en de kwaliteit die wij nastreven. Een mooi voorbeeld van het vertrouwen dat wij krijgen van Weerts is dat wij op dit moment nog op twee andere sites actief zijn. En wij hopen dan eigenlijk ook dat die aangename samenwerking nog een mooie toekomst mag kennen. Lennart's Technique Industrielle à Oud-Allen-Elsteren dispose d'une équipe de plus de 50 spécialistes et met à profit ses 40 années d'expérience pour aider Weird Supply Chain à avancer chaque jour. Dans les entrepôts de Weird Supply Chain à Millmore, une équipe de 80 à 100 personnes réalise des opérations de conditionnement à destination de la grande distribution, de la mise sous film, de la préparation de produits en fonction des campagnes marketing, de l'assemblage de présentoirs. Ces équipes sont celles de l'atelier Jean Delcourt, une entreprise de travail adapté. Notre mission est d'accompagner au quotidien un maximum de personnes fragilisées dans la réinsertion au sein de la société. Donc, nos services sont une réponse aux attentes des grands donneurs d'ordre en termes de compétitivité et d'amélioration continue. C'est notre réactivité, notre agilité et notre démarche d'amélioration continue alliées à notre objectif social et environnemental qui sont les atouts qui séduisent nos partenaires. Plus de 100 000 présentoirs sont réalisés chaque année par ces équipes dans les installations de Weird Supply Chain sur base d'un partenariat qui dure depuis plus de 20 ans. L'action des ateliers Jean Delcourt va toutefois bien au-delà des murs de cet entrepôt. Donc les ateliers Jean Delcourt emploient aujourd'hui 600 travailleurs dont 85% sont aussi en situation de handicap. Nous possédons nos propres infrastructures, 4 sites d'exploitation, un Airstall pour nos opérations de conditionnement et de logistique intégrant l'e-commerce, un à Grasse-Logne pour nos activités techniques et notre site de Timister qui est le site de départ pour les opérations de rénovation et d'entretien d'espaces verts. Weird Supply Chain n'est pas le seul exemple d'inclusion de la main-d'œuvre de Jean Delcourt. 25 à 30 entreprises de la province de Liège sont concernées dans l'alimentaire, le secteur hospitalier, le traitement de l'eau et la logistique qui incarne un vecteur de développement important. Alors nous réalisons déjà de la manutention à l'aéroport de Bierzé et nous développons aussi nos activités en chargement et déchargement de conteneurs au Trilogiport et nous accompagnons de plus en plus les différentes sociétés dans le développement logistique dans la région liégeoise telles que PFS Web, secteur de la logistique est en plein boom. Un état d'esprit orienté croissance d'autant plus encourageant que Jean Delcourt propose un travail de qualité et durable à des personnes en situation de handicap physique, mental ou même social tout en rencontrant le niveau de service qu'attendent les grands donneurs d'ordre. L'engagement social est une valeur fondamentale pour Weird Supply Chain. Il se retrouve dans d'autres actions menées par l'entreprise. Donc Weird Group a créé une ASBL afin de prêter via les écoles des ordinateurs aux enfants les plus vulnérables. Depuis 2021, nous avons déjà prêté 100 ordinateurs et nous souhaitons en distribuer près de 1000 avant la fin d'année. Ici, l'engagement est aussi environnemental. Tous les bâtiments de Weird Supply Chain sont équipés de panneaux solaires, de systèmes d'éclairage dynamique et de technologies qui minimisent son empreinte écologique. L'entreprise utilise notamment un camion électrique sur son site de Bruxelles pour ses trajets courts. Responsable et ambitieuse, Weird Supply Chain veut aujourd'hui poursuivre son développement, une évolution dont les fondamentaux de diversification et de multiplication rapide des implantations serviront une volonté d'offrir un service de plus en plus complet. Pour Renault, 2021 est une année importante avec plusieurs nouveautés au programme. Nous avons pu en tester une cette semaine. «
2021 est une année cruciale pour Renault. Le trafic va être renouvelé et le Kangoo va faire place à une nouvelle génération de fourgons compacts. Le Kangoo sera remplacé par 3 différents modèles. On a à nouveau un Kangoo VP, qu'on s'appelle le Kangoo. Et puis on aura 2 fourgonnettes, dont on a le Express Van et le Kangoo Van. C'est-à-dire que dans le marché des fourgonnettes, on voyait qu'il y avait 2 groupes cibles. Il y a premièrement un groupe de clients qui sont à la recherche de l'essentiel. Un véhicule qui avec un minimum de besoins de sécurité, de conduite, mais aussi avec l'efficacité de charger son véhicule. Et c'est pour ça qu'on a l'Express Van. L'autre côté, il y a des clients qui sont plutôt à la recherche d'un peu plus de design, qui cherchent un véhicule un peu plus sportif, finition intérieure un peu plus direction un VP et un véhicule doté avec des aides à la conduite. On a une vingtaine d'aides à la conduite sur notre Kangoo Van. La première chose la plus remarquable, c'est la porte Sésame, porte ouvre 3 par Renault, qui est sur Kangoo Van. C'est une ouverture gigantesque qui permet de charger du côté latéral et d'avoir un accès très facile au compartiment de chargement du véhicule. L'autre côté, je dis Express Van, comme on dit, un véhicule avec tout l'essentiel à la recherche d'un certain groupe de clients. Kangoo Van, un véhicule plus stylé, plus côté VP et avec les aides à la conduite. Voyons avec Léo Van Horik, membre belge du jury International Van of the Year, comment les nouveaux modèles se comportent dans la pratique. Kangoo est basé sur la plateforme de la Scénic, donc on peut dire qu'elle roule comme une voiture normale et elle a le même tableau de bord similaire. Donc on peut dire que c'est une voiture de tourisme mais avec un espace de chargement, voilà. Tant pour l'Express que pour le Kangoo, le choix sera proposé entre moteur essence et diesel dès le lancement. Mais cela ne s'arrête pas là. Renault a toujours été leader de marché en Europe dans les fourgonnettes électriques. On ne peut pas lancer un nouveau modèle sans avoir une version électrique. Pour cela, on lance le Kangoo Van à partir de début 2022 dans une version E-Tech 100% électrique. Une chose est claire, Renault fait tout ce qui est en son pouvoir pour être performant dans le segment des camionnettes compactes. Intraco Consulting, une société de conseil située à Barchon, a elle aussi quelques recommandations à nous faire. Je suis impatiente de les découvrir. Pour déterminer une valeur, nous tenons compte de l'histoire de l'entreprise, de ses performances financières, mais également de son futur. On va analyser l'entreprise dans sa globalité et déterminer son positionnement stratégique qui nous permet ensuite, sur base de sa rentabilité, de pondérer au mieux sa valeur. Par contre, valeur ne veut pas dire prix de transaction, qui lui sera défini lors de la négociation avec le repreneur potentiel. Trouver la cible la plus adéquate pour la reprise de son entreprise, c'est un métier à part entière. Pour ça, il nous est important de comprendre en détail l'activité, ses forces et ses challenges. Ensuite, il est utile de partir d'une longue liste qui sera qualifiée afin d'aboutir à une shortlist d'acquéreurs potentiels qui sont de qualité pour envisager une reprise. Une fois le repreneur potentiel identifié, il est absolument crucial de lui démontrer tout le potentiel et les avantages que cette reprise lui apportera. Une connaissance très pointue du secteur d'activité des entreprises est un must afin de convaincre les parties. Ensuite, les négociations permettront de construire une transaction win-win pour les deux parties. La multimodalité, c'est plus important que jamais. Avec l'ambitieux projet Trilogiport, les autorités liégeoises ont pris des mesures importantes pour renforcer l'attractivité logistique de la région et y accueillir des entreprises performantes. Christophe Stierlet les a rencontrées. «
La situation de la région liégeoise et son statut de carrefour européen de flux de marchandises et aussi naturellement les possibilités qu'elle offre en matière de transport en font un terreau formidable pour développer les infrastructures dédiées à la logistique au sens large. D'ailleurs, c'est exactement dans cet état d'esprit qu'a été créé le Trilogiport dont je vais vous parler aujourd'hui avec les acteurs présents sur le site. Ah oui, et pour être clair, il s'agit d'une plateforme dont la gestion est complètement dans les mains du port autonome de Liège. Important. Voilà, monsieur Émile-Louis Bertrand, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir déjà. Alors pour être clair, vous êtes le directeur général du port autonome de Liège. Alors est-ce que je me trompe si je dis que c'est un pôle économique très très important quand même? Effectivement, c'est un levier économique très important tant pour Liège que pour la région wallonne. C'est le premier port intérieur belge, le troisième au niveau européen. Là, en termes de trafic, pour le moment, on est situé à peu près à 19 millions de tonnes, ce qui génère également à peu près donc 18 000 emplois directs et indirects. Et de plus, tout le travail que nous faisons avec nos concessionnaires permet un report modal qui va justement diminuer tout ce qui est CO2 au niveau des différents trafics. Justement, cette combinaison de modes de transport, on est au Trilogiport, cette multimodalité, est-ce que c'est l'élément clé qui a poussé au développement de cet outil? C'est un élément important. Donc on a la situation géographique de Liège-Trilogiport qui est vraiment dans l'interland des grands ports maritimes. On est à 14 heures d'Anvers, on est à 24 heures de Rotterdam. Ce qu'on a créé, c'est cette plateforme trimodale avec un terminal de 15 hectares, justement avec l'eau, avec le rail et bien entendu la route. D'accord. Est-ce que le site est complètement développé ou est-ce qu'il doit encore être développé un peu plus? Il y a à peu près 122 000 m² de bâtiments logistiques qui ont été développés. Et au total, nous avons à peu près 300 000 m² de développés. Donc il y a encore un petit peu de travail et de pain sur la planche. Monsieur Bertrand, moi je vous remercie. Nous, on va faire connaissance avec les acteurs qui sont présents ici. Donc bonne journée. Bonne journée également. Et je commence là-bas. Allez-y. Ouais. Ici, nous longeons les infrastructures de Weert Supply Chain, un concessionnaire très très important dont on va évidemment vous parler tout au long de l'émission. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter quelque chose d'autre, une zone très particulière du Trilogiport. Notamment une zone où la multimodalité est extrêmement visible, le terminal à conteneurs maritimes. Monsieur Olivier Illa, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Voilà, super, j'ai plein de questions pour vous. Hein. Je peux commencer? Je vous en prie. Parce que bon, pour être clair, vous êtes donc le patron de, DP World, Liège Container Terminal, c'est juste? C'est bien ça, oui. C'est une carte de visite comme ça que vous avez? Exact. D'accord. Et vous gérez donc la structure opérationnelle depuis 2019? C'est bien ça. Donc nous sommes des gestionnaires de terminaux trimodaux, mais également des transporteurs multimodaux et nous favorisons la voie fluviale. Donc nous disposons de 6 bateaux, dont 2 bateaux en propre. 5 bateaux assurent la liaison entre le port d'Anvers et Liège et un bateau est actif sur le nord de la France. Et vous gérez que les conteneurs qui arrivent par la route ou par l'eau? Non, depuis l'année dernière, nous traitons également des conteneurs en provenance de Chine par train à raison d'un train et demi par semaine. D'accord. Et à part le stockage, par exemple, et la manutention, est-ce que vous faites encore quelque chose d'autre? Oui, nous organisons le pesage des conteneurs afin de répondre aux exigences de la réglementation SOLAS. Nous avons également une infrastructure pour le branchement des conteneurs reefer. Nous avons également des opérations assez importantes au niveau de la douane, tout ce qui est formalité import ou export. Nous organisons ici également depuis l'année dernière de la fumigation. Donc c'est un traitement pour tous les conteneurs qui contiennent du bois, qui partent vers la Chine, donc doivent être traités par fumigation. Maintenant, votre site, il a l'air vraiment mais très très grand. Par contre, il m'a l'air déjà aussi très bien rempli. Alors le futur, vous le voyez comment? Effectivement, donc la plateforme ici est déjà bien remplie et donc nous avons planifié l'extension du terminal. Nous allons augmenter la capacité fluviale et donc allonger le quai de manutention et placer un pont portique. Nous allons également augmenter la surface bétonnée pour le stockage des conteneurs et aménager un parking d'accueil pour les camions de plus en plus nombreux à venir sur notre plateforme.
Tous ces investissements sont planifiés pour fin 2021, début 2022. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et je vous pose encore une question. La sortie, c'est par où Alors, il y a un petit labyrinthe, vous allez par où vous voulez, mais en ligne droite, c'est par là. Bon, voilà. Merci beaucoup, hein. Salut. Notre périple nous emmène maintenant chez DL Trilogy Port Belgium Jost Group avec un entrepôt phénoménal de 44 000 mètres carrés qui a débuté ses activités en 2018 et qui sera bientôt complété par des nouvelles installations. Monsieur Patrick Senster, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Eh ben, très bien, merci beaucoup. Ces installations, est-ce que c'est la première phase de votre déploiement ici? Mais disons qu'en fait, ici, le bâtiment est déjà complet pour le moment. Et cette année, au printemps, nous avons déjà démarré la deuxième phase de notre hall, en deux phases de 30 000 m² et 42 000 m². Et d'ici peu, dès qu'on aura la clientèle, on aura encore 180 000 m² qui sortiront de terre au Trilogy Port. Attendez, 180 000 m², ça correspond environ à 25 terrains de foot, quelque chose dans le genre. Qu'est-ce qui justifie un déploiement comme ça? Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Tout d'abord, la proximité de Liège Airport, qui est un aéroport qui évolue au niveau frais extrêmement les dernières années. Et de plus, nous pouvons ici jouer le rôle de hub européen pour beaucoup de clients et prendre là la distribution sur la Benelux, la France, et surtout l'Allemagne avec la proximité de la Ruhr qui a une forte densité de consommateurs. Donc une connexion qui se fait notamment par voie d'eau? Oui, par le canal Albert qui a le gros avantage d'être navigable 365 jours par an, contrairement à d'autres infrastructures européennes. Et de plus, l'arrivée du train de Chine dans le bassin de Liège nous donne quand même certainement une perspective au niveau logistique. Donc, si je comprends bien, ces nouvelles installations vont vous permettre d'aller encore plus loin dans votre démarche? Oui, certainement. Nous sommes ici avec le site de Trilogy Port, en première ligne de la hinterland pour les imports de Chine. Nous avons élaboré certains services de manutention, etc., tout autour de ceci. Et en plus, nous sommes capables de faire la distribution et le transport au niveau européen. Et ici, une grosse partie des transports se font déjà en camion LNG pour la politique environnementale du groupe Jost. Voilà, c'est une explication super claire. Moi, je vous remercie. Je redescends, je saute. Hein. Ça va? Non, prenez quand même l'escalier. Oui, non, d'accord, je vais prendre l'escalier. Okay, pour être complet, signalons encore que Trilogy Port comprend un espace qui est occupé par un spécialiste de l'immobilier logistique et qu'il y a aussi une zone d'intégration environnementale de 40 hectares. D'ailleurs, c'est le lieu où on se situe maintenant pour clôturer ce reportage. La preuve que l'écologie et l'économie peuvent faire bon ménage. Allez, salut, à la prochaine! Il est temps à présent d'accueillir le grand patron du groupe Van Moor et de découvrir avec lui ses ambitions. Als Van Moor Logistics geloven en investeren we volop in het intermodale. Zo hebben we vorig jaar meer dan 600.000 containers vervoerd, waarvan 53% via het water. En als je over intermodaal praat, dan zal er altijd een voor- en een natransport blijven. Dus de vrachtwagen zal altijd aanwezig blijven. En ook daar investeren we enorm in het groene. 10% van onze vloot van 500 vrachtwagens bolt vandaag op LNG. En ook geloven we volop in het waterstof gebeuren, maar dat zit vandaag nog in zijn kinderschoenen. Des projets ambitieux, je vous le disais. Et à propos d'ambition, je vous propose de découvrir un constructeur bien de chez nous qui ne cesse de se développer. Installée dans l'est de la Belgique, à Bullange, la société ATS Rau est spécialisée dans la construction et l'aménagement de solutions pour les secteurs du transport, de la manutention et de la construction notamment. ATS Rau a été créée en 1984 par mon père Marcel Rau. Nous réalisons des montages pour camions, nous plaçons des grues de manutention et des crochets conteneurs de la marque Palfinger et nous construisons notre propre gamme de remorques pour camions. Tous ces produits que nous fabriquons sont réalisés à 100% dans nos ateliers ici en Belgique.
En deuxième partie, nous sommes aussi les porteurs de la marque de semi-remorque Benchem. Et pour le service et la garantie, il y a l'atelier de réparation ici à Boulanges. ATS Rao a effectivement mis au point, développé et donné son nom à sa propre gamme de remorques et de semi-remorques pour diverses combinaisons de transport. Nous construisons dans nos propres ateliers des bennes et plateaux sur camion, des conteneurs, des remorques surbaissées, des remorques plateaux et des semi-remorques plateaux et surbaissées et naturellement plein d'autres solutions pour le transport. Notre spécialité, c'est le sur-mesure. Un client nous exprime un besoin ou un problème à résoudre et nos équipes développent et réalisent la solution idéale. Un autre point fort, c'est la livraison de camions sur mesure avec la remorque adaptée derrière. Donc, un ensemble à 100% adapté aux besoins du client. ATS Rao importe et commercialise aussi en exclusivité pour l'ensemble de la Belgique les bennes de la marque allemande Kempf, principalement à destination des transporteurs de vrac. La gamme est très large, tant en semi qu'en remorque. Ici aussi, on retrouve une notion de personnalisation poussée par rapport à la concurrence. Le client peut choisir un maximum d'options et il existe aussi un maximum de différentes dimensions dans les bennes. Cela permet naturellement d'adapter parfaitement la benne au camion et aux besoins du client. Chez ATS Rao, la notion de service est essentielle également. Un département spécifique de ces installations de Boulanges assure les interventions en garantie et tout le volet technique du SAV des produits que l'entreprise fabrique et commercialise. Actuellement, notre clientèle se trouve principalement en Wallonie, au Grand-Duché du Luxembourg, dans des parties de l'Allemagne. Mais nous commençons progressivement à nous développer en Flandre et notre département commercial cible aussi des marchés à l'international. Une évolution qui fait plaisir à voir pour cette success story made in Belgium. Nous sommes tous demandeurs d'un transport et d'une logistique plus durable. La société que nous vous présentons maintenant aussi. Nous connaissons tous les palettes EPAL. Mais saviez-vous qu'il s'agit d'un produit durable et circulaire interchangeable dans le monde entier ? Un réseau de plus de 1500 fabricants et réparateurs de palettes EPAL autorisés et agréés garantit la fourniture de palettes fiables pour l'empilage et le transport en toute sécurité des marchandises. Afin de pouvoir offrir ces garanties, le réseau EPAL est contrôlé en permanence par des services d'inspection indépendants. Les palettes EPAL usées et endommagées sont réparées dans le réseau de réparateurs agréés et peuvent donc être réutilisées à de multiples reprises. La durée de vie d'une palette EPAL dépasse ainsi en moyenne 10 ans et peut même atteindre 20 ans. Après la fin de leur cycle de vie, elles restent recyclables pour d'autres usages, comme matière première, pour l'énergie ou pour d'autres applications. La palette EPAL est un produit en bois, non peint, et donc écologique et respectueux du climat. Les planches en bois stockent naturellement le CO2. En outre, chaque palette EPAL fait l'objet d'un traitement thermique et répond donc aux normes phytosanitaires les plus strictes en matière de lutte contre certains organismes tels que les parasites. 2021 est une année anniversaire car l'Europalette fête ses 60 ans, tandis qu'EPAL existe en tant que marque déposée depuis 30 ans. Actuellement, quelques 600 millions de palettes EPAL sont en circulation dans le monde, faisant d'EPAL le leader mondial de l'Europalette standard de 120 sur 80 cm. Avant de se quitter, gros plan sur une entreprise qui s'est positionnée comme partenaire de gestion du secteur transport et logistique. Pour rester concentré sur son core business, toute entreprise doit s'appuyer sur des outils performants, notamment dans ses tâches de gestion. Conscient de cet impératif, Koalabox a développé un logiciel de facturation à la fois convivial et efficace. C'est comme une petite secrétaire. En un clic, on fait sa facture, on fait son devis, on a l'activité en temps réel de sa société. On peut voir si on fait du bénéfice, quelles sont les marges. Et surtout, ce qui est important, c'est notre outil de financement de facture. Illustration de l'importance de cet outil avec la société bruxelloise Medista, spécialiste de la distribution de niches sous température contrôlée dans le secteur pharmaceutique qui utilise Koalabox au quotidien.
Le secteur pharmaceutique est un secteur où les paiements, ça dure très très longtemps. Equalabox nous a permis, au fait, de faire du factoring et aussi d'avancer plus vite dans certains investissements au niveau de notre plateforme logistique. C'est très facile d'utilisation et aussi la réactivité que Equalabox a est pour nous un atout. Je pense que Equalabox est pertinent au niveau du secteur de la logistique de manière générale. Quand vous êtes sur la route, vous avez toujours cette capacité, via l'application Equalabox, de pouvoir, en situation réelle, établir un bon de commande, financer une facture et répondre à la demande de vos clients beaucoup plus rapidement. Equalabox a intégré en décembre 2020 le groupe français Cegid, acteur majeur du marché des solutions numériques de gestion. Une bonne nouvelle pour les clients de Equalabox puisqu'elle implique un service amélioré, davantage de moyens disponibles et un fort potentiel de développement des outils à leur disposition. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dans quelques mois pour un deuxième épisode consacré 100% au transport et à la logistique en Wallonie et à Bruxelles. Mais pour l'heure, je rentre chez moi en mode électrique.